C'est maintenant la période des questions. La députée de Whitby-Oshawa. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Vous avez inclus le suivant dans votre lettre de mandat à la ministre, au ministre de la Santé, de continuer la poursuite d'avoir d'accès plus abordable à des médicaments pour que l'appropriation des nouvelles drogues puisse être. Non seulement ce que la dernière minute d'annonce, pourquoi vous ne le laissez pas suivre ce mandat? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je ne suis pas sûr si les patients, les familles des patients qui souffrent du syndrome hémolytique atypique seraient d'accord et c'est une annonce de dernière minute ce matin, mais il y a quelques jours, le PDG des programmes des médicaments a dit que c'était une décision prise par les experts, des bureaucrates qui essaient d'avoir les meilleurs renseignements. Et j'ai été informé que le directeur général va donner Solaris aux patients qui ont le syndrome hémolytique atypique, ou AHUS en anglais. Et c'est de bonnes nouvelles. Question complémentaire. Nous sommes rejoints par Michael Ergerman, Joshua DeBartol et d'autres patients qui souffrent de ce syndrome, qui attendent depuis 2 ans d'avoir le Solaris, qui est le seul médicament qui les aide. Et c'est vraiment très pratique d'avoir l'annonce aujourd'hui, ça enlève la pression de vous. Mais les gens doivent savoir que ça ne sera pas financé pour tous les patients de ce syndrome. C'est juste pour les patients qui sont très malades. C'est pas tout le monde qui en a besoin. C'est important pour la population ontarienne et les patients qui sont là de bonne foi de le savoir. Ma question à la première ministre, vu que 40 autres pays l'ont approuvé, dans la province du Québec aussi on l'a approuvé, il y a des preuves cliniques, des données probantes, est-ce que vous êtes engagé à donner un financement permanent au Solaris aujourd'hui? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Franchement, je ne pense que la population ontarienne veut prendre ce que la parole de la députée d'en face quant à la science et aux preuves derrière cette décision. Ils ne doivent pas prendre ma parole non plus, même si je suis médecin et un spécialiste de santé publique. Ils doivent prendre la parole des preuves par le bureau politique, mais le bureau des médicaments, du programme des médicaments, qui ont consulté avec des groupes d'intervenants et qui ont consulté des endroits comme l'Australie quant aux preuves, quant à ce syndrome, et que les preuves cliniques, c'était de donner cette solution aux gens qui répondent aux critères médicaux pour recevoir le Solaris. Question complémentaire. Le ministre de la Santé dit qu'il va donner du Solaris, mais dit qu'il n'y a pas de preuve médicale. Il essaie de dire deux choses contradictoires à plusieurs reprises. Les patients qui ont des maladies dangereuses et dévastatrices doivent mettre de la pression et avoir de l'attention des médias pour avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin pour sauver leur vie. Il faut arrêter ça. Est-ce que vous êtes engagé à avoir un financement permanent au Solaris pour les patients qui en ont besoin? Merci, le ministre. Je crois vraiment que dans son cœur, la députée d'en face, je crois qu'elle appuie un processus qui est non politique, qui prend l'opinion des experts et des spécialistes qui, plus que nous, vont savoir bien plus que quant à ce syndrome et qu'on consulte aussi des patients et qu'on voit ce qu'on fait ailleurs au monde pour résoudre cette question difficile. Et dans son cœur, je pense qu'elle croit que la décision est la bonne décision, que c'est les bureaucrates qui ont pris cette décision. Merci. Une nouvelle question.
la députée de Whitby-Oshawa. Madame la Première ministre, quand vous avez remplacé Dalton McGuinty, vous avez dit que vous allez tourner la page quant au scandale. Mais moins d'une année après l'arrivée au pouvoir, c'est la même chose. C'est du pareil au même. Qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est à vous, vous avez rendu ce scandale pire et vous avez enlevé l'intégrité de votre bureau. Vous avez décidé de maintenir des fonctionnaires. Interruption du président. J'aurai l'ordre. Et le ministre de l'Éducation, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Madame la Première ministre, je vous rappelle que l'ancien Premier ministre McGuinty a conservé du personnel au sein de son bureau qui ont détruit les preuves et des courriels. Ne faites pas la même erreur. Montrez que vous avez plus d'intégrité. Ramenez l'intégrité au sein de votre bureau et montrez la porte à Pat Sorbara. La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Je sais que la députée de l'autre côté sait que je prends cette question très au sérieux. Élections Ontario a déterminé que les allégations qui ont été faites contre moi-même et le député de Sudbury étaient non fondées. Nous allons continuer à aller de l'avant avec l'enquête et à coopérer. Comme le directeur général des élections le sait, et il a dit, à déterminer l'innocence ou la culpabilité de personne, je laisse le tout aux autorités, les services d'Élections Canada a été retenu et je vais laisser l'enquête se dérouler, Monsieur le Président. Complémentaire. Vous savez, il y a toujours beaucoup que vous puissiez faire. Pourquoi est-ce que vous ne ramenez pas un peu d'intégrité dans votre bureau? Protégez l'intégrité de votre bureau, l'intégrité de l'enquête de la police, l'intégrité de la force de police de Sudbury, l'intégrité de notre système électoral et l'intégrité des élus qui sont élus par les Ontariens. Vous pouvez le faire en demandant à votre directrice adjointe du personnel de conserver ses courriels, son ordinateur, ses serveurs et de les remettre à la copie. Merci, la Première ministre. Premièrement, Monsieur le Président, merci beaucoup. Asseyez-vous. La Première ministre, laissez-moi parler de la question. Je leur donnais un regard silencieux. Monsieur le Président, premièrement, laissez-moi parler de la question qui est soulevée sur les recommandations qui nous sont remises par le commissaire à la vie privée. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits à travers mon bureau sur la rétention des documents. Ces changements sont en place, Monsieur le Président, et je peux assurer la députée de l'autre côté que ces procédures ont changé, qu'elles sont en place et que la formation a été donnée. Deuxièmement, Monsieur le Président, je crois que afin que l'enquête puisse aller de l'avant et continuer, comme la députée le sait, c'est un processus indépendant. Le mieux que nous puissions faire, c'est de laisser ce processus se dérouler. Cela préservera l'intégrité du processus et de l'enquête et nous allons laisser les choses aller de l'avant. Complémentaire final. Monsieur le Président, nonobstant ces procédures qui ont été mises en place, il y a tout de même ici une suite dans les idées que l'on voit au sein du bureau de la Première ministre où le personnel efface leurs documents. Je veux savoir, est-ce que vous l'avez réprimandé? Est-ce que vous avez demandé aux les disques durs et les serveurs de cette personne d'être retenus par la PPO afin qu'ils ne soient pas complètement effacés comme ça a été fait pour le scandale des centrales? Avez-vous forcé les gens à conserver les documents qui entraient à Pat Sorbara et Jerry Lougheed? Au moins, dites-nous que vous faites quelque chose. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Première ministre, j'ai répondu à ces questions plusieurs fois. Monsieur le Président, j'ai fait une déclaration vendredi dernier. C'est très clair. Quelle est ma position? Nous sommes ici avec une enquête indépendante et nous voulons qu'elle se déroule.
Il y a beaucoup de problèmes dont on peut parler, Monsieur le Président. Plusieurs de nos députés ont été à la conférence de l'Association des municipalités rurales de l'Ontario. Il y a beaucoup d'éléments dont on parle là-bas. Et la députée de l'autre côté pourrait parler de notre annonce de financer l'infrastructure critique pour les petites municipalités rurales du nord de l'Ontario. Elle pourrait poser des questions sur les besoins d'action à travers le Canada pour investir dans l'infrastructure. La députée de l'autre côté pourrait poser des questions sur les tables rondes demain, sur les femmes autochtones qui ont été assassinées ou disparues. Monsieur le Président, elle pourrait poser des questions sur ces questions qui sont très importantes. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Député du troisième parti. Merci, monsieur. Intervention du président. Arrêtez la pendule. La chef du troisième parti, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, la vice-première ministre a mentionné que l'on continuait à faire de l'opposition avec des questions très décevantes. Mais je suis désolée de décevoir la vice-première ministre, mais nous continuerons sur notre ligne de questions. Et donc, ma question est la suivante. Qui a dit à Pastor Barra d'offrir à Andrew Olivier un emploi? La Première ministre, Monsieur le Président, encore une fois, je prends cette question très au sérieux. J'ai répondu à des dizaines de questions dans cette chambre, Monsieur le Président, et je vais continuer à répondre à ces questions. J'ai fait une déclaration vendredi dernier, et c'était clair par cette déclaration, mais ce que je croyais de cette situation, il a été déterminé que les allégations qui ont été faites contre moi et les députés de Sudbury n'étaient pas fondées. Nous allons continuer à aller de l'avant avec l'enquête indépendante. Et le directeur général des élections a mentionné qu'il n'avait pas décidé d'aller de l'avant et de... Il a dit que je n'ai aucun mandat pour intenter des poursuites selon le protocole de communication ou contravention apparente à la loi sur le financement des élections ou la loi électorale en vigueur. Ce n'est pas mon travail de le faire. Donc, on laisse l'enquête se dérouler, Monsieur le Président. Je réponds aux questions lorsqu'elles sont posées. Je vais continuer à y répondre et je viens de donner la réponse que je continuerai à poser. Complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est qui a dit à Jerry Lougheed d'offrir un emploi à Jerry Olivier. Peut-être qu'elle pourrait, à Andrew Olivier, est-ce qu'elle pourrait répondre à cette question? La Première ministre, encore une fois, l'enquête n'est pas faite par cette Assemblée. J'ai répondu aux questions et c'est très clair par mes déclarations quelle est notre position à cet effet. Je veux conserver l'intégrité de l'enquête. Et pour ce faire, nous permettons à cette enquête de demeurer indépendante. Donc, Monsieur le Président, j'ai répondu à des questions. Je vais continuer de coopérer complètement avec l'enquête. Et j'espère que les députés de l'autre côté poseront d'autres questions. Merci. Intervention du Président. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, revenez à l'ordre. Merci. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. La question de qui a dit à Pastor Barra et Jerry Lougheed d'offrir un emploi à Andrew Olivier est extrêmement, extrêmement sérieuse, Monsieur le Président. Mais la Première ministre a évité cette question 24 fois dans cette chambre. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Je demande encore une fois, calmement, s'il vous plaît, un peu de décorum. Laissez la question être posée et la réponse être donnée. Continuez. 24 fois, Monsieur le Président, cette question a été posée et n'ont pas répondu. La vice-première ministre devrait le noter alors qu'elle tient compte des questions. La première ministre manque de respect envers moi et les gens de cette chambre, elle manque de respect envers la population de l'Ontario parce que ses réponses, Monsieur le Président, ses réponses ne sont pas seulement pour moi et pour nous. Ce n'est pas un petit jeu, Monsieur le Président. C'est des réponses dont nous avons besoin pour la population ontarienne. Donc, encore une fois, la 25e fois, je vais demander à la première ministre qui a dit à Jerry Lougheed et à Pastor Barra d'offrir un emploi à Monsieur Olivier afin qu'il ne se porte pas candidat dans l'élection de Sudbury.
Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La première ministre, Monsieur le Président, je remets en doute le fond de la question et je dis à la chef du troisième parti, j'ai répondu à ces questions. Ce qui s'est passé à l'élection de Sudbury, pourquoi nous avons choisi, pourquoi j'ai choisi Glenn Thibault comme candidat. Monsieur le Président, j'ai pris cette décision. Et il y a une enquête qui est en cours. Cette enquête est indépendante. Nous devons continuer à laisser cette enquête se dérouler et c'est ce que nous allons faire. Complément. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Encore une fois, la première ministre, selon Élections Ontario et la PPO, il y a des preuves comme quoi Andrew Olivier a reçu une offre d'emploi et offert un pot de vin. Pat Sorbara et Jerry Lafitte ont enregistré et ils ont dit, intervention du président, arrêtez la pendule. De tous les côtés, parfois. Pour être juste envers la personne qui pose la question, il faut permettre à la question d'être entendue. Continuez. Merci. Pour résumer, les preuves montrent que la PPO a l'épreuve et Élections Ontario a l'épreuve qu'Andrew Olivier a reçu un pot de vin, qu'on lui a offert un pot de vin plutôt. Pat Sorbara et Jerry Lafitte ont parlé à Andrew Olivier pour la première ministre, mais elle nie le tout. Donc, ma question est claire. Est-ce qu'elle a des preuves de sa version de l'histoire, Monsieur le Président, seulement sa version. La première ministre, on me dit que j'ai parlé de mon opinion plusieurs fois. Donc, encore une fois, je vais lire ce que le directeur général des élections a dit. Voici les mots du directeur général de l'Ontario, des élections de l'Ontario. Que ce n'est pas à lui de dire qu'il est responsable de déterminer de l'innocence ou de la culpabilité des gens et que ce sont les juges qui doivent le faire. Donc, voici pourquoi nous n'avons pas cette discussion ici, Monsieur le Président. Cette enquête est indépendante et elle doit continuer à aller de l'avant de façon indépendante, complémentaire. Monsieur le Président, il y a des montagnes et des montagnes de preuves qui montrent qu'Andrew Olivier a reçu une offre d'emploi afin de se mettre de côté dans cette campagne. Mais il y a deux appels téléphoniques qui ont été enregistrés, des entrevues avec la police qui décidaient de nommer ou non Glenn Thibault. Je veux donc savoir. Et je crois que l'Ontario mérite de savoir, est-ce qu'elle va partager ses preuves avec nous? La première ministre. Monsieur le Président, encore une fois, j'ai dit plusieurs fois dans cette chambre et à l'extérieur de cette chambre que j'ai décidé que Glenn Thibault serait notre candidat. J'ai pris cette décision. Je l'ai dit encore et encore. Et Monsieur le Président, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a dit que c'était un excellent choix, et c'en était un excellent choix. Glenn Thibault représente Sudbury de façon extraordinaire. Il est un bon défenseur des droits de la population de Sudbury. Il y a différentes questions auxquelles Sudbury fait face, et nous devons nous assurer que nous prenons de bonnes décisions afin de nous assurer qu'il y a un bon réseau de transport, que nous investissions dans l'infrastructure. Monsieur le Président, la population de Sudbury, comme celle de la province, ont la capacité d'avoir une bonne retraite. C'est important. Ce sont des questions sur lesquelles il faut se pencher. C'est pourquoi il est assis ici, de ce côté de la chambre. Complémentaire final. Monsieur le Président, c'est la sixième fois que cette première ministre a qu'on a demandé à la première ministre de fournir des preuves sur son histoire, mais elle n'a même pas encore présenté une petite preuve de sa version de l'histoire. Sa version ne suit pas absolument aucune preuve que nous avons. Nous avons des appels téléphoniques qui sont enregistrés et ça ne convient pas. Il y a des enquêtes avec la police et les faits ne sont pas cohérents. Donc, encore une fois, j'essaye.
Étant donné toutes les preuves qui ont été mises au compte-rendu, est-ce que la Première ministre a des preuves qui montrent le bien fondé de son histoire, Monsieur le Président? La Première ministre, Monsieur le Président, comme je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, l'élection en Ontario a déterminé que les allégations contre moi et le député de Sudbury étaient sans fond. Nous allons continuer à travailler avec les autorités et à coopérer comme nous l'avons fait, Monsieur le Président. Le fait est qu'il y a plusieurs questions auxquelles nous faisons face, plusieurs défis, comme je l'ai dit à la députée du Parti conservateur. La chef du troisième parti pourrait poser des questions sur les tables rondes concernant, qui se penchent sur le cas des femmes autochtones qui ont disparu et ont été assassinées. Ce serait une excellente question et ce, c'est une inquiétude pour le troisième parti, étant donné que leur ancien député de Sudbury était un membre des Premières Nations. Donc, on s'attendrait à ce qu'il s'intéresserait à cette table ronde. C'est une question non pas seulement ici en Ontario, mais à travers le pays. Intervention du président, arrêtez la pendule. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Nouvelle question. Le chef de l'opposition officielle, Sa Majesté. Ma question s'adresse à la Première ministre. Vous avez plusieurs fois répété que le 11 décembre, vous avez eu une conversation avec Andrew Olivier et vous lui avez dit que vous alliez nommer Glenn Thibault comme le candidat de Sudbury. Pat Sorbara a dit qu'elle était avec vous dans la salle lorsque vous avez parlé à M. Olivier. Elle a dit qu'elle pouvait entendre votre côté de la conversation. Et ensuite, Mme Sorbara a dit à M. Olivier que la Première ministre lui avait demandé d'abandonner la course à l'investiture. Donc, si vous avez dit à M. Olivier que vous nommiez M. Thibault, pourquoi est-ce que Pat Sorbara a rencontré le monsieur Olivier pour lui offrir un emploi? Pourquoi le pot de vin? Je retire mes propos. La Première ministre, je vais répéter ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire que j'ai décidé que Glenn Thibault serait le candidat de Sudbury. C'est un fait qui est très bien établi maintenant. Il y a une enquête en cours. Cette enquête ne se tient pas ici dans cette chambre. L'enquête est indépendante, Monsieur le Président. Il faut que cette enquête se déroule selon le processus normal. Je vais continuer à répondre aux questions de l'autre côté de la chambre, Monsieur le Président, mais le fait est que nous avons une enquête indépendante à l'extérieur de cette assemblée. Complémentaire, vous avez traîné cette chambre et tous les députés dans ce gâchis parce que vous ne ramènerez pas l'intégrité au sein de votre bureau. Vous nous écrasez tous et on ne l'apprécie pas. On sait qu'il y a une enquête et un processus, mais vous nous avez traîné dans ce gâchis parce que vous refusez de faire la chose honorable et de ramener l'honneur au sein de votre bureau politique. C'est pourquoi on continue de poser ces questions. Vous avez dit le 11 décembre à M. Olivier que vous nommiez Glenn Thibault comme candidat, mais vous avez continué à lui offrir un emploi. Donc, qui dit la vérité ici? Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Première ministre. Laissez-moi débuter, Monsieur le Président, en disant que j'ai un grand respect pour mon bureau politique. Je suis en politique parce que je crois que le gouvernement doit et peut faire une différence. Je crois qu'il peut avoir une responsabilité, une possibilité de bien faire et les politiciens doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir afin d'améliorer les lois pour les gens à travers la province. Je ne serai pas ici, je ne serai pas en politique. Et je crois que personne ici ne serait en politique s'il ne croyait pas que le gouvernement puisse faire une différence. Intervention du président. Je vais demander aux députés de Leeds-Granville et au ministre de l'Environnement d'avoir une conversation ailleurs que dans cette chambre. Terminé. Et je veux dire aux jeunes qui sont ici pour la simulation du Parlement que je suis tellement fière qu'ils
qu'il participe à cet événement et que le gouvernement peut en fait faire une différence. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Ministre des Affaires autochtones, revenez à l'ordre. Nouvelle question, le député de Timmins, la Baie-James. La question s'adresse à la première ministre et j'espère que votre exemple, ce n'est pas un bon exemple pour la simulation parlementaire. Ce n'est pas la façon dont le gouvernement fonctionne. Lorsque Craig Sbarra, sur le mandat de la police, mais lorsque Pat Sbarra, faisant l'objet d'une enquête au criminel, qui était un de ses conseillers principaux, pourquoi est-ce que les règles sont différentes pour Craig Sbarra et Pat Sbarra? Pourquoi est-ce que ne voulez pas que Pat Sbarra cède sa place? Vendredi dernier, j'ai été clair de ma position et la situation auquel renvoie le député est différente de celle précédente. L'enquête n'a pas lieu dans cette chambre et séparée. Je vais continuer de répondre aux questions, travailler avec les autorités, mais dans le même temps, il y a un travail important. Et j'ai renvoyé le groupe de travail, la table ronde qui a lieu vendredi sur les femmes autochtones, et essayer de travailler avec le gouvernement fédéral pour avoir une enquête à l'échelle nationale, et si ce n'est pas possible, au moins de se réunir et d'accord sur des mesures concrètes pour améliorer la vie des femmes et des filles autochtones. C'est un travail important que je vais faire pendant que l'enquête suit son cours complémentaire. Premier ministre, je suis ici depuis 25 ans et en 25 ans, on a vu des membres du Conseil des ministres de différents partis politiques. Intervention du président. Je trouve le décorum inacceptable. Lorsque quelqu'un essaie de poser une question et le fait de bloquer sa question n'est pas approprié. Et je ne veux pas que qui que ce soit me dise comment faire mon travail. Veuillez poursuivre. Au cours des 25 dernières années, les députés des différents partis ont fait l'objet d'enquêtes. Certains ont été exonérés, d'autres non. Mais il y a une tradition que si il y a une enquête, le député cède sa place. Pourquoi est-ce que ces règles ne s'appliquent pas à Pat Sbarra? Monsieur le Président, je crois que le député d'en face a déjà répondu à sa propre question. Pat Sbarra ne fait pas partie du Conseil des ministres. Il sait très bien. Je connais le député. Il sait que je prends les choses au sérieux. Je sais que je fais confiance aux autorités. Il sait très bien que l'enquête est différente de ce qui se passe en chambre. Monsieur le Président, il y a des enjeux importants. C'est un enjeu. C'est important. Mais nous allons continuer à en discuter. Mais l'enquête n'a pas lieu en chambre et à l'extérieur de la chambre. Député de Beaches, York Est, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Il est très courant d'entendre des commettants de parler du financement dans le secteur. Et parfois, des médicaments sont financés par le gouvernement, ne sont pas couverts par d'autres. Et cela affecte la vie des Ontariens. Les Ontariens doivent avoir accès aux médicaments pour continuer à travailler, marcher, visiter, faire du tourisme. Donc, il est important que les médicaments couverts par le gouvernement puissent être accessibles. Je sais que le gouvernement veut s'assurer que les Ontariens aient accès à tous les traitements et aux médicaments appropriés. Je demande au ministre s'il pouvait expliquer le financement des médicaments en Ontario. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci aux députés de Beaches-York Est. Notre gouvernement s'engage
à ce que tous les Ontariens aient accès aux meilleurs médicaments et traitements qui existent. Nous avons ainsi éliminé la politique de ce secteur. Maintenant, nous dépendons des experts pour savoir si les médicaments doivent être financés ou non. Et il y a un groupe d'experts qui revoit les faits. En 2010, nous avons introduit un processus qui permette à des groupes de défense des patients pour que se présenter devant le comité des médicaments et ce programme et la personne décide de la meilleure façon possible sur les médicaments. Et nous avons dépensé 5 milliards de dollars pour les médicaments en Ontario complémentaires. Merci, M. le Président. Monsieur le ministre, pardon. Quelqu'un qui est venu de ma circonscription, M. McCallum, et on a parlé de Solaris, qui améliore la santé et la qualité de vie des patients qui souffrent de cette maladie hémoglobinose, une maladie déhabilitante. Il y avait quelqu'un qui a cette maladie et qui a besoin de ce médicament. Lorna va donner ses reins pour qu'il ait ce médicament. Mais malheureusement, ce médicament n'est pas disponible à tous ces patients en Ontario qui ont besoin de ce traitement coûté. En juin 2013, Santé Canada a approuvé l'approbation de Soliris. Qu'est-ce que le gouvernement de l'Ontario fait pour approuver ce médicament pour les personnes qui souffrent de hémoglobinose? J'ai été informé plus tôt cette semaine par le président du programme ontarien des médicaments et maintenant ce médicament, ce virus, sera accessible aux patients qui souffrent de hémoglobinose. Et les groupes de défense des patients ont été informés de cette décision. Et hier, il y a eu un député des conservateurs. Si on devait même parler de l'évolution en classe, et il suggère que nos décisions ne sont pas basées sur la science. Et qu'est-ce qu'ils vont proposer? Et peut-être qu'ils vont atterrir sur la Lune, et peut-être même que la Terre n'est plus ronde, mais encore plate. Nous prenons les bonnes décisions quant aux médicaments nécessaires à nos patients. Nous allons faire une annonce aujourd'hui. Député de Bruce Gray, Owen South, ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que vous avez parlé à M. Olivier? Et on l'a averti que ce n'était pas la décision d'Olivier et que M. Sorbara parle, a dit non. Vous ne voulez pas que Mme Sorbara cède sa place. Première ministre demande à Olivier de céder sa place. Pourquoi refuser d'admettre, de dire à M. Olivier qu'il devait céder sa place? Une fois plus, j'avais pris une décision que Glenn Thibault serait notre candidat de Sunbury. Il y a une enquête en cours qui n'a pas lieu dans la Chambre. C'est une enquête à l'extérieur de la Chambre. Nous allons continuer à coopérer avec les enquêteurs. Mais j'aurais souhaité qu'avec le Bureau économique du Canada au cours des deux derniers jours et que les conservateurs seraient intéressés à parler de l'économie. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les économistes du secteur privé disent que l'Ontario et son économie vont progresser. Et je sais que le ministre des Finances va vouloir commenter davantage et que la perspective économique, l'économie de l'Ontario va augmenter de 2,9 % à cause des exportations solides et de la stimulation économique, pardon, et de la croissance économique. Merci. Monsieur Olivier vous a parlé et votre chef du cabinet parce qu'il voulait avoir la nomination pour Sudbury. Et il a dit, j'ai apprécié que la position de la première ministre, mais ça n'a aucun sens. Il a pris votre position et il a dit
au chef de cabinet adjoint qu'il n'y aurait pas de nomination. Est-ce que vous avez dit la vérité? Lorsque vous avez dit à M. Olivier que vous aviez nommé un candidat le 11 décembre, merci, M. le Président. Le sondage public, ils ont dit Glenn Thibault à Sudbury. Ils ont choisi Glenn Thibault parce que la population reconnaît que nous faisons fait au défi, que l'on investit les infrastructures, la formation, à avoir un climat économique propice aux affaires, garantie de vieillesse, qu'il faut faire davantage pour équilibrer notre budget. Nous allons atteindre cet objectif avant nos cibles et nous faisons un excellent travail pour avoir une compensation, pour nous assurer qu'il y a une intégrité des revenus et que ce soit partagé. Nous dépassons nos objectifs et nos cibles, qui est la première fois au Canada, et nous allons demeurer ensemble. Et les gens de l'Ontario ont décidé, ils reconnaissent que tout ce qui avait été proposé, et ils ont choisi notre candidat libéral, Glenn Thibault. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pat Cervera, Jerry Lloyd ont raconté la même histoire. Ils ont été enregistrés et qu'ils voulaient que M. Olivier cède sa place et qu'ils allaient présenter une offre à Olivier des options en matière de nomination ou d'emploi. C'est la 26e fois qu'on pose la question. Cette question, qui a dit à Mme Sobara et à M. Lloyd de parler à M. Olivier? Une fois de plus, j'ai répondu à cette question. Il y a une enquête à l'extérieur de la Chambre. J'ai été très clair que pour moi, je suis très sérieux. Je vais continuer à collaborer avec les autorités. Et que lui, j'espère qu'il aurait poser une question sur l'auto, l'assurance auto. On fait des progrès. Je sais que le ministre des Finances va vouloir en parler parce que ça inquiète les députés d'en face, parce que l'un des enjeux auxquels on doit faire face pour la gestion du gouvernement est qu'on fait une mise à jour sur la réduction à l'assurance auto. Je pose la question à la première ministre. La question est très simple. Au lieu de répondre à la question directement, la première ministre ne répond jamais à la question et ou à parler d'autre chose. Les questions de l'Ontario ne veulent pas avoir des réponses toutes faites. Ils veulent une réponse directe. Je pose la question une fois de plus. Et c'est la 26e fois. Et j'espère que cette fois, elle peut répondre franchement. Une question toute simple. Qui a donné les ordres de Pat Sobara et Jerry Lloyd? Ministre des Finances, le député d'en face, je crois, a suivi des cours de droit, qu'il est en fait un avocat et qu'il reconnaît, comprend très bien le processus judiciaire. C'est exactement ce que la première ministre fait. Et en matière d'assurance auto, qui était un de ses dossiers, parce que nous voulions réduire l'assurance auto. Et voilà pourquoi nous luttons contre la fraude. Et pour ceux qui sont à la maison, il y a plus de 12 entreprises du secteur de l'assurance qui réduisent leurs primes d'assurance jusqu'à 20 %. On peut faire davantage. Et j'espère que le député va vouloir participer à ce processus. Député de Halton, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, c'est la journée des T-shirts. Il y a cette personne qui a été intimidée par ses pairs parce qu'il était efféminé. Et toutes ces personnes qui étaient du secteur LGBT et trois quarts de ses enfants entendre des insultes à leurs intentions, l'intimidation dans nos écoles et dans notre société est un problème répandu. Et parfois, l'impact est émotionnel, physique et autres. Je sais que c'est un enjeu que tous les députés. Voulez-vous me dire à la Chambre, qu'est-ce que le gouvernement fait pour lutter ce problème qui est l'intimidation?
ministre de l'Éducation. Je voudrais souhaiter bon anniversaire à la députée de Halton. Monsieur le Président, je suis très fier de parler de cet enjeu. C'est un enjeu important qui me tient à cœur. Deux étudiants de l'école Shepherd et Price ont fait quelque chose que l'étudiant portait du rose. Ils ont pris une décision. Je suis fier de ce Parlement qui a adopté une loi très forte en matière d'intimidation à l'école. Et je suis très fier du gouvernement, que le gouvernement a revu le programme de santé et d'éducation physique à l'école. Ceci comprend l'enseignement des enfants à se respecter entre eux et concernant l'intimidation et que l'intimidation n'est jamais acceptable, quelles que soient les circonstances. Et je suis très fier que cette question soit posée aujourd'hui. Complémentaire, Monsieur le Président, je remercie la ministre de l'Éducation pour ses commentaires réfléchis. Ces deux élèves de l'école sont retournés à la maison, ils en ont parlé à leur père. Et l'année et le jour après, tous les élèves ont porté du rose à l'école. Ils ont changé la culture à l'école pour lutter contre l'intimidation à l'école. Il faut modifier la culture dans toutes les écoles. Il y a eu trop de tragédies dans les écoles qui se sont suicidées parce qu'ils ne pouvaient plus endurer l'intimidation de la part de leur père. Je sais que la ministre de l'Éducation est d'accord avec moi. C'est inacceptable. Et aujourd'hui, avec le monde technologique, l'intimidation ne s'arrête pas après l'école. Voulez-vous informer la Chambre sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter l'intimidation après l'école? Ministre, et la députée a raison. En tant que gouvernement, nous avons pris des mesures concrètes. Nous parlons également de la cyber-intimidation. Nous reconnaissons que cela est très important. Et notre monde technologique offre plusieurs possibilités d'intimidation. Mais il faut que les élèves soient au courant des risques potentiels. C'est pour ça que je suis fier de la refonte sur le curriculum en matière d'éducation physique et de bien-être à l'école, en apprenant pour que les élèves apprennent à se respecter, quelle que soit la technologie, et qu'il y aura des implications judiciaires. Et les effets du sectage ont également un impact sur les élèves. Le gouvernement a pris des mesures concrètes. Nous avons offert une formation à plus de 25 000 enseignants et à plus de 7 500 directeurs d'école. Nouvelle question. Député de Stormont, Dundas, Glengarry Sud. Vous avez parlé de l'intégrité du VG. Et maintenant, ça a été la même chose. Vous avez fait des allégations contre les collègues de l'autre côté de la Chambre. Et la première ministre, lorsque on vous questionne votre intégrité, vous insultez l'intelligence des Ontariens, que le public ne croit plus. Quand est-ce allez-vous faire preuve d'intégrité de votre bureau et demander la démission de Pat Sorbara et de Jerry Lougheed? Une fois de plus, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, il y a une enquête en cours. Nous allons continuer à collaborer avec les autorités. Mais il faut que cette enquête se déroule à l'extérieur de la Chambre, un processus indépendant. J'ai été clair, j'ai répondu à plusieurs reprises, mais l'enquête est en cours, suit son cours. Il y a des enjeux importants auxquels nous sommes confrontés, des possibilités. J'ai eu l'occasion vendredi dernier de participer au village des athlètes pour le jeu panaméricain ou parapanaméricain. C'était magnifique parce que c'est un village d'athlètes qui sera exceptionnel pour les dizaines de milliers d'athlètes qui seront ici, ainsi que pour les entraîneurs. Et je sais que le ministre du Sport, du Tourisme et des Loisirs va vouloir en parler.
Complémentaire. Merci. Question à la première ministre. Vos mesures ne montrent... Vous continuez alors que vous avez deux agents qui jettent un ombre sur votre gouvernement. Et il faut vous rappeler de faire ce que doit. Et vous avez perdu votre voix. Il y a eu des pétitions de la part des Ontariens. Ils demandent de faire ce que doit en demandant la démission de Pat Sobhara et de Jerry Laurie tant que l'enquête ne sera pas terminée. Voulez-vous dire la vérité aux gens de l'Ontario? Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître la question du député. Comme il le sait, la Première ministre a déjà répondu à la question, mais ça me donne l'occasion de parler des Jeux panaméricains et parapanaméricains ici en Ontario. Et j'aimerais mettre à jour les députés. Les Jeux commencent dans 5 mois. J'ai pas eu l'occasion, ça fait longtemps. Intervention du président à l'ordre, le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons vendu plus que 270 000 billets. Le village des athlètes a été terminé et a été redonné des entrepreneurs aux exploitants des jeux. Il y a des milliers de personnes qui seront des bénévoles. Ça comprend le futur du sport de la province. Nouvelle question, député d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le mois dernier, votre chef de cabinet adjoint a appelé Monsieur Olivier en lui demandant de s'écarter. En contrepartie, il a été offert un poste. Monsieur Sorbert a dit, vous êtes la troisième personne déjà. Donc, qui sont les deux autres personnes évoquées? La Première ministre, merci. Monsieur le Président, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous allons collaborer avec les autorités. Il y a une enquête en cours, mais cette enquête ne prend pas lieu en chambre, mais ailleurs. J'ai pris la décision que Monsieur Thibault serait notre candidat. Il sera un bon représentant de cette circonscription. Et nous sommes très heureux qu'il est avec nous. La réalité, c'est qu'il y a une enquête en cours et je la prends très au sérieux, mais elle se passe hors de la Chambre. Il y a plusieurs choses qu'il faut faire à la fois. Cette enquête se déroule hors de la Chambre. Et il faut investir dans l'infrastructure nécessaire dans les endroits tels qu'Oshawa. Il est absolument important pour le Grand Toronto de faire ses investissements dans l'infrastructure, y compris le transport en commun. Et c'est ça ce que nous allons faire. Complémentaire. Monsieur le Président, c'est déjà la troisième fois qu'on a posé cette question. Peut-être on aura une réponse. La Première ministre ne veut pas répondre, mais je vais quand même réessayer. Pat Sobhara a dit qu'Andrew Olivier a dit à Andrew Olivier que la Première ministre a appelé deux autres personnes. Si vous n'allez pas nous dire qui sont ces deux personnes, je vais vous poser la question. Quelles offres ont été faites? Ministre des Transports, je remercie la députée pour sa question. Comme l'a dit à plusieurs reprises la Première ministre, il y a une enquête en cours. Au cours des dernières journées, j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants des... Arrêtez le pendule. Je vais faire un commentaire. La tradition de cette Chambre, c'est que les questions qui sont posées méritent de l'attention. Veuillez vous asseoir. Je demande que les réponses soit relié aux questions. Merci, Monsieur le Président. Je sais que la Première ministre a eu l'occasion au cours des dernières journées
parce que l'opposition a mis seulement de l'accent sur une seule question. Malheureusement, Monsieur le Président, c'est au détriment de ce qui est important à cette communauté. Donc, les gens de Nepean and Carleton devraient savoir que nous allons continuer avec le prolongement de l'autoroute 407. Nous continuons d'investir dans le réseau GO et il y aura davantage au cours de la prochaine décennie. Le président de sa région m'a rencontré à la conférence de Roma. Il était content du travail qu'on a effectué. Il faut que je me corrige troisième fois. Ça veut dire que vous êtes prêt. Nouvelle question, député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de Recherche et de l'Innovation. La promotion de cela aide plusieurs secteurs et amène des bénéfices à mes commettants. Grâce aux investissements stratégiques de la part de notre gouvernement, l'Ontario est devenue une destination pour les recherches en neurologie. Nous avons parmi les meilleurs chercheurs quant à cela du monde. Avec l'appui du gouvernement, l'Institut cérébral de l'Ontario s'agit d'un établissement de recherche qui soit en mesure de faire des recherches innovateurs. J'ai été infirmière et j'ai travaillé avec les gens avec des problèmes neurologiques. J'ai informé la Chambre des actions pour améliorer le rôle de la province par rapport aux recherches neurologiques. Le ministre, j'aimerais remercier le député de Cambridge pour sa question. Les impacts économiques sont de 39 milliards de dollars par an et c'est pour ça que ces investissements soient primordiaux. Notre gouvernement a créé l'Institut neurologique de l'Ontario et la première ministre, après être devenue première ministre, a alloué 108 millions de dollars. Ces financements vont aider à recueillir davantage d'argent des autres sources. Monsieur le Président, l'Institut fournit des recherches stratégiques et aide à rendre certifié l'Ontario quant à cela. Nous continuons d'appuyer des recherches de point qui vont aider notre économie et qui vont créer des emplois hautement qualifiés. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Je comprends que plus que 2 millions d'Ontariens seront touchés par des problèmes neurologiques et que 1 million d'Ontariens sont déprimés. J'ai fourni des soins à mes commettants et aux familles qui ont des problèmes tels que la maladie Alzheimer, la dépression, la maladie Parkinson. Il est très bon de savoir que nous avons parmi les meilleurs scientifiques, mais quand même, le gouvernement doit continuer d'appuyer des recherches dynamiques pour que ces personnes soient traitées. Je comprends que vous avez récemment annoncé les projets plus récents de recherche effectués par cet institut grâce à nos investissements. Monsieur le ministre, veuillez informer la Chambre au sujet de la manière par laquelle ces projets amélioreront la qualité de vie des Ontariens et de mes commettants. Monsieur le Président, j'aimerais remercier la députée de sa question. Mon ministère s'est engagé à appuyer des recherches de point pour améliorer le traitement des problèmes neurologiques. J'ai été rejoint par mon collègue, le ministre Sergio, et nous avons annoncé 56 millions de dollars pour cet institut. Cela va appuyer des recherches de point et des diagnostics pour des maladies telles que la dépression, la maladie Alzheimer et la maladie Parkinson. Et ça va aider aux patients d'avoir le traitement nécessaire. Notre gouvernement va continuer d'améliorer la réputation de la province en tant que chef de file par rapport aux recherches neurologiques. Merci. Nouvelle question, député de Nipissing.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, j'ai remarqué quelques similarités entre votre scandale des centrales au gaz et le scandale de Sudbury. Il y a des initiés dans tous les deux scandales et il y a des chefs du cabinet adjoints qui sont impliqués. Vous avez mis fin au comité des centrales au gaz afin de protéger vos initiés durant cette enquête de la PPO et vous ne demandez pas la démission des initiés de Sudbury. Donc vous avez élaboré une culture qui protège les initiés et une culture de peur pour ceux qui vous opposent. Pourquoi est-ce que vous protégez les gens qui font l'objet d'une enquête criminelle? Monsieur le Président, permettez-moi de répondre à la première partie de la question, c'est-à-dire que lorsque je suis entré en pouvoir en 2013, ça a été très clair, même durant ma campagne, que nous allions ouvrir le processus du comité de justice. La portée des questions de ce comité qui sera élargie, et cela s'est produit. Il y avait des centaines de milliers de documents, des douzaines de témoins qui ont comparu. Et je suis contente qu'il y a un rapport qui a été écrit. Comme je l'ai fait dans le passé avec la situation par rapport à la partielle de Sudbury, j'ai été très clair en chambre, hors de la chambre, par rapport exactement à ce que j'ai fait. J'ai pris la décision que Glenn Thibault serait notre candidat. Il y a une enquête en cours qui se déroule hors de la chambre. C'est une enquête indépendante et il faut que elle se déroule. Madame la Première ministre, au sein de vos scandales, nous apprenons que les libéraux disent une chose, mais puis les preuves démontrent la vérité. Quelqu'un a dit, après avoir été assermenté, que je n'ai pas de courriel, mais la PPO les a recouverts. La PPO a aussi donné des enregistrements qui contiennent une offre d'emploi. Il y a des preuve des enregistrements que la décision par rapport à votre candidat n'avait pas été prise en mi-décembre. C'est contraire à ce que nous avons entendu en Chambre. Cela dénigre tous les députés de la Chambre. Allez-vous fournir à cette Chambre et à la PPO avec même un courriel qui appuie votre version des faits? La Première ministre, une autre fois, lorsque je dis que l'enquête est indépendante, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Les services judiciaires du Canada effectuent ce processus. Je comprends aussi bien qu'une autre personne le processus de la période des questions orales, mais de porter des accusations lors d'une enquête, ce n'est pas correct. Je crois que ce n'est pas équitable et je crois que les députés d'en face devraient arrêter de le faire et ils devraient reconnaître qu'il y a une enquête en cours hors de la Chambre et qu'il faut qu'elle se déroule. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Si elle a n'importe quelle preuve pour soutenir sa version des faits, pourquoi est-ce qu'elle ne la partagera pas? La Première ministre, Monsieur le Président, je m'excuse. Une autre fois, l'enquête ne se déroule pas en chambre, mais hors de la chambre. C'est une enquête indépendante. Il est important qu'elle soit indépendante. Il n'y a personne en Ontario qui croirait que les politiques dirigeaient cette enquête. Ils croient que les autorités doivent faire leur propre travail. Voilà ce que je vais faire. Je vais coopérer avec les autorités, mais je vais les permettre de faire le travail hors de la Chambre. Complémentaire. Monsieur le Président, est-ce que la raison qu'elle ne partage rien pour appuyer sa version de ce scandale de Pot-de-Vin Sudbury, est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas?
La Première ministre, j'ai affirmé très clairement ma position. Je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait vendredi, c'était une déclaration publique. Je l'ai affirmé à plusieurs reprises. Il y a une enquête en cours. Les autorités ont une responsabilité de poursuivre cette enquête indépendamment de la Chambre. Nous allons les permettre de le faire et je vais continuer de coopérer avec ces autorités. Ma question est pour la procureure générale. Madame la procureure, je sais que vous et votre ministère avez annoncé une nouvelle stratégie pour la province en décembre dernier. Cette stratégie semble être désignée afin de permettre un accès accru pour tous les Ontariens et Ontariennes au système de justice. C'est quelque chose qui est très important pour les résidents de ma circonscription d'Ottawa-Orléans et moi-même. J'ai aussi remarqué que plusieurs parties prenantes de la communauté juridique appuient cette approche pour faire avancer le système de justice ontarien. Monsieur le Président, est-ce que la procureure générale pourrait clarifier comment cette stratégie fera avancer le système de justice en Ontario? Merci, le ministre. Merci. Premièrement, je voudrais remercier la députée d'Ottawa-Orléans pour son intérêt dans le système, l'avancement du système de justice en Ontario. Elle a raison de dire que notre stratégie est cruciale à l'avancement de notre système juridique. L'amélioration de l'accès à la justice a toujours été une priorité clé pour mon ministère. Je prends cette priorité à cœur et mon ministère s'engage à créer un système plus simple, plus rapide et moins cher pour tous les Ontariens et Ontariennes. C'était d'ailleurs l'une des priorités dans ma lettre de mandat. Je tiendrai donc une table ronde avec les partenaires clés du secteur de la justice ainsi que la communauté afin de discuter des enjeux auxquels ils font face. Nous travaillerons ensemble afin de surmonter ces obstacles et nous serons, avec nos partenaires, une force de changement positif. Merci, Monsieur le Président. Merci. Question. Monsieur le Président, je remercie la procureure générale pour sa réponse. C'est important pour les Ontariens et Ontariennes que ceci demeure une priorité pour notre gouvernement. La communauté juridique de ma circonscription d'Ottawa-Orléans était très excitée lorsque cette stratégie a été annoncée. Monsieur le Président, je pense que cela intéresserait beaucoup mes commettants si la procureure générale pourrait élaborer sur certains points de cette stratégie afin d'illustrer de quelle manière celle-ci pourra assurer un accès approprié au système de justice. Merci encore à la députée d'Ottawa-Orléans pour sa question. D'abord, nous veillerons à ce que les procédures judiciaires soient plus rapides et que le système de justice soit plus simple à naviguer. Ensuite, nous permettrons aux participants à la justice familiale d'avoir un accès plus facile à la médiation et à d'autres formes de règlement extrajudiciaire des différends, et nous veillerons à ce qu'ils obtiennent plus facilement les services de soutien et les renseignements nécessaires. Nous assurerons aussi un appui plus efficace aux personnes ayant des troubles de santé mentale qui entrent en contact avec le système de justice criminelle, y compris aux étapes de la mise en liberté sous caution et du prononcé de la peine. De plus, Monsieur le Président, il ne faut pas oublier que, quoi qu'il ne fasse pas officiellement partie de cette stratégie, le projet pilote à Ottawa sur l'accès à la justice en français aidera aussi les justiciables francophones à avoir un meilleur accès à la justice dans leur langue. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Rappel au règlement. Du député de Stormont Dundas, South Glengarry. Selon le règlement 37E, un ministre qui, lors de la période des questions orales, envoie cette question à un autre ministre. Ma question à la Première ministre est reliée à l'enquête actuelle par rapport à l'élection partielle. Je comprends votre rappel au règlement. J'ai déjà réglé ce problème. Et je me rappelle à tous les députés, surtout les ministres qui répondent aux questions, même lorsque vous envoyez la question à quelqu'un d'autre, il faut répondre à la question. C'est un rappel aux députés comme résultat du consentement unanime. Nous sommes d'accord que nous allons rencontrer sur l'escalier pour
pour une photo. Il n'y a aucun vote différé. Le travail de la Chambre est suspendu jusqu'à 15 heures.